Le changement d'heure, ça vous y êtes fait ou pas, vous? Ah oui, faut s'y faire tout de suite le lendemain. Hein. Ah oui. Oh là là, il n'y a pas de grimace à faire. Il n'y a pas de grimace. Mais ce serait très bien qu'ils la remettent à l'heure. Ah oui. Mais quelle heure? L'heure d'hiver ou l'heure d'été qui vous convient? Ben non, mais l'heure d'avant. Donc là où on garde toute la nuit. Eh ben alors, qu'est-ce que c'est cette grimace aussi? Il y a 40 ans que ça existe, ça. Ouais. Et il y a des années qui disent qu'ils vont y remettre en place. Ils font rien du tout. Mais l'heure d'hiver, par exemple. Voilà, donc il faudrait. En fait, ça dérange ou pas, changement d'heure? Un peu quand même. Pas du tout. Déranger quoi? Il n'y faut plus. Ah ben, ce serait mieux que. Moi, je dis pour les cultivateurs. Ah voilà, les cultivateurs. Parce que ceux qui vont promener les chiens au bord du lac, bien sûr qu'ils veulent que ce soit une heure de plus de jours. Hein? Mais ceux qui font le travail jusqu'à 11h ou 11h30 du soir, puis qui se lèvent le lendemain matin à 4h, ben c'est pas tout à fait pareil. Ben, c'est bien, c'est pas pareil. Alors, il faudrait qu'ils la remettent à l'heure. Donc remettez les pendules à l'heure. Les pendules à l'heure. Alors normalement c'est prévu que l'Europe a dit qu'ils ne changeraient plus l'heure. Oh. Mais ils sont d'accord pour savoir quelle heure ils veulent. Non mais ils ont dit qu'ils la remettraient comme avant. Voilà. Eh bien écoutez. Il faudrait qu'ils se bougent. Eh bien écoutez. Parce qu'avec tous leurs fourbis qu'ils font aussi ils là. Ils passeront plus à l'heure. Hein. Et ça merci Mimi. En tout cas super. Merci.